Allez, on est reparti. Alors, du coup, la dernière fois, on avait fini tout ce traîneau. Et du coup, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Alors, si j'ai pas vu que je peux avoir ça. Ah, je regarde un peu, je vais les compétences que je peux apprendre. Je regarde, hein. Je crois que le boss m'a infligé. Oui, parce qu'on va avoir un boss. Il m'a infligé poison. J'ai un doute. Moi, j'ai pas de frame. Je sais plus si j'aurai le temps de retirer les accessoires avant. Après, parce que ça, la bande force, il faudrait que je pense à la retirer. Avant la fin de cette session de jeu. Je vais garder le traitement et les prix pour l'instant. Voilà, donc la dernière fois on avait fini très long et puis là on devait aller alors de... Ah oui, j'ai bien dit que deux secondes. Alors toujours ma petite liste de trésors pour regarder ce qui me manque. J'ai deux trucs à prendre ici. Un ouvert, donc ça je crois que c'est une armure container, je crois. Un truc que je peux équiper, ouais. Bon, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux, juste vers un Marcus. Bon, Marcus il peut rien apprendre. J'ai pas envie de donner son queue, il y a Marcus par contre. Alors là, on a un deuxième coffre. Ouais, et des ennemis. Bon, les ennemis ici sont pas dangereux en soi. Alors. Bon, la princesse va rester en défense. Rien de neuf. What the fuck? Oh. Oh merde. J'ai dispé à cause de ça. Putain, mais en vrai Marcus sert à rien. Bon. Je crois pas qu'il a un pic. On a son base, donc ça je pense que c'est cool. Je souhaite cette altération. Mais putain, Marcus, tu sers à rien! J'ai pas compris ce perso. Oh là là, ils vont être trop lourds ceux-là! Putain, eux ils vont être relous. Eux ils vont vraiment être relous. Ouais, bon, reset. Ce qui est chiant avec cette session du jeu, c'est que tu peux rien faire parce que tu peux pas fuir les combats. Comme Jidan il est pas là, bah t'as pas malandrin. Et fuir normalement dans ce jeu, c'est impossible. C'est juste impossible. Ouais, bon, on va activer ça. Burger, ça sert à rien, il y a pas de bird. J'ai pas un truc qui vient à me percer. Ouais, bon ça. Bon, et Marcus c'est le gros inutile de service en gros. Ce qui me fait bien chier parce qu'il va falloir que je garde en vie pour qu'il vole le boss. Ah
déjà que le vol va être beau, qu'est-ce qu'il y a avec Jidan, parce que Jidan au moins l'a prouvé dans son plan. Non, d'abord aller activer le truc. Et là bien évidemment le jeu me donne aucun combat aléatoire. Ouais, donc là il me dit qu'il faut frapper l'orgueil. Gorgon qui apparaît. Ouais, c'est avec ça qu'on se déplace dans cet endroit. Protéger la princesse, etc. etc. Voilà. Du coup, la princesse repart sur la Gorgone pour aller à l'Alexandrie. Bah, évidemment, je vous ai dit qu'il y avait un boss, donc je me dis que ça va pas se passer très très bien. Son prédateur naturel. Alors. Bah, on n'a plus qu'à attendre que l'Arcus arrive à lui voler. Baiser du diable. Ah non bah ok, donc il y a que deux trucs à voler, d'accord. On fait ça. Voilà, j'ai ça. Putain mais pourquoi j'ai pas cru que ça avait fait des dégâts, je suis con quoi. En fait, précisément c'est moi ce jeu a une dent contre Stener en ce moment. Okay.
table fort, mais dans l'ensemble ça va, il est pas trop compliqué. Je vais donner des éthers. Hein. Je vais donner des MP à Stener pour attaque MP. Oui, attaque MP c'est ce qui lui permet de taper à 600 actuellement. Hein. Juste très bon évidemment. Nous sommes 4 MP, donc il faut faire ces 4 MP. Oh. Oh, ça c'est nouveau, je crois qu'il l'a pas, ça dans la version de base. Et merde. Ouais, ça je crois que dans la version de base il l'a pas, c'est nouveau. Ok, pas mal, ça je n'y attendais pas celle-là. Il l'a pas dans la version de base, la nocturne. Oh non. Alors, lui, c'est une heure. Mais il y a quand même des PV sur lui. Derrière, tu fais quand même des dégâts, Marcus. Voilà. Je se barre, au bout d'un moment. Parce que, évidemment, on le reverra plus tard, donc. Je crois que je vais avoir aucune chance pour enlever mes équipements. Ouais, aucune chance d'enlever mes équipements. Là, j'ai pas avoir le choix. Ah si. Alors. Enlève ça. On va tout enlever avec. Ouais, je rééquiperai, c'est quelque chose que je vais rééquiper. Marcus, soit c'est la dernière fois qu'on a l'occasion de jouer. Non, on joue encore une fois après. Non, j'enlève tous les équipements pour l'instant. Bah, donc la princesse qui reconnaît cet endroit. Et c'est un piège, évidemment. Nous avons eu. Bon. Je déteste ces deux-là. Oh, c'est juste des Kafka du pauvre, ces deux-là. C'est franchement juste des méchants comic relief qui ont un rôle important et puis après ils font plus rien d'intéressant dans tout le jeu. Ouais, attends, j'ai cru que je savais ce flog. J'avais pas appuyé sur rond, ça passait pas les dialogues. Bref, nous revenons enfin au vrai scénario, hein, donc Jijan.
Allez. J'aurais dû retirer ça vite avant de passer à. Je crois que je vais pas la prendre aussi tôt ça. D'abord, je vais prendre Flo, plus et Brasil. Il n'y en a pas encore. Je sais que c'est réalité ça. La Lady Draco. Je commence à avoir l'impression qu'il y a de plus en plus d'ennemis qui me font qu'un fiche confusion comme ça. Donc ça c'est bien ça, je vais prendre ça. Je vais minimiser la confusion parce qu'on sait jamais. Voilà, et ça c'est pas l'air de glisser. Ah oui, j'avais voulu une distraite. Ouais, une traite, pardon. Un fenêtre à son état en fait. Avec la fourchette c'est pas plus des interactions état. Ça, ça garde. Bon, bon, on est bon. Alors, j'avais pas laissé mon chocobo par ici. Ah non, j'ai laissé de l'autre côté. De toute façon, je n'ai pas besoin pour l'instant du chocobo. Évidemment, il fallait que j'ai un ennemi juste avant. Nouveau donjon. Que je regarde un peu tout ce qu'on a récupéré ici. Pff, on a plein de trucs. Oulala. Ok. Putain de trucs. Bon. À bouffer. Ah, le tronc de Clara. Dur hein. Alors là, déjà prenez évidemment on a des je décide d'en bouffer avec rien s'ils sont bouffables. On peut avoir un ennemi un peu spécial ici qui est un espèce de golem de sable. Là il est pas là donc on a un grand distrait. Ouais, ça les pue, ça les pique. Même pas 500 PV ces trucs.
bien caché derrière les... derrière les arbres, tu sais, derrière les feuilles d'arbres. Les enculés, quoi. Si on s'en fait par là... ça... un éther... et ça active ça... dans l'arrière. Sidan, s'il te plaît, je sais. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait, ce con? Ouais, si j'active pas la compétence, ça va pas le faire aussi. Là-haut, mais ça, je pense que c'est après qu'on aura un nouveau. Fourchette de plus. Qu'est-ce que ça sert à rien? Ah, si ça déclenche un combat, mais à part ça, ça sert à rien. Oh! Deux comme ça, c'est la première fois que j'envoie deux comme ça, tiens. Ils aiment bien ce focus sur Quina. Ouais, faut les tuer avec le en tuant le petit truc rouge. Pff, ok, d'accord. Ouais, le sable absorbe l'eau. C'est logique. Divisé contre lui. Ah, merci. Ok. Ah, bah, ça a rapporté pas mal de choses, dis donc. C'était un combat optionnel. Peut-être. C'est pour ça qu'il y a un combat optionnel, il va savoir. Alors...
j'aurais peut-être dû sauvegarder ailleurs. Aïe. Ouais, parce que là, si je loupe les objets, le problème de ce endroit, c'est que si tu loupes des objets, c'est foutu. Ah. Cet endroit, si tu loupes des objets, c'est mort. Ok, eux ils sont tout blindage. C'est auto blindage, hein. Ah, y'a con. Tout blindage ou tout carapace, genre, je crois que c'est auto blindage ça. D'être aussi utile. Ils ont vraiment pas beaucoup de PV en fait. Bon. C'était une transe inutile. Attends, je me pose une question en fait. Bon, j'ai coupé les combats aléatoires si j'en ai d'autres. Hein. Je vois un truc. Comment t'atteins? Comment elle a son coffre là-haut? Deux coffres. Comment t'atteins ces coffres au juste? Attends, sérieusement, comment t'atteins ces coffres? Ah. Je coupe. Ah, quoique non. Et évidemment, il faut que ce soit une rencontre par arrière. Putain. Pourquoi faut toujours que j'ai une rencontre par arrière quand il y a un ennemi qui m'intéresse? Bon, alors lui, je le bouffais. Oh, mais c'est sérieux. Il riposte à tout quoi. Ah non. Ah putain. Oui, c'est un ennemi à la con. Voilà. Voilà, il a pris une arme Mistral du coup. Alors attends, parce que je me pose sérieusement la question, comment t'atteins ces coffres en bas? Tu peux rien faire. Est-ce que je pense pas que tu reviennes dans cette salle par la suite.
Putain, mais titane. Voilà. Passage, je sais pas du tout. Bon, ben, y a trop de combats aléatoires dans ce jeu. Allez, alors, ben, vraiment, j'ai aucune idée de comment t'atteins ces coffres. Bon, ils reviennent plus tôt, plus tard, mais. Ouais, mais non. Il y a vraiment beaucoup de combats aléatoires dans ce jeu. Et toujours les mêmes ennemis en plus, ça qui est chiant. Bref. Voilà, bon, on va apprendre un nouveau truc angélique. Ah oui, Quina est passée en transe. Quina, c'est le seul perso pour lequel la transe est utile dans les combats aléatoires. Ah merde. Bon, je peux rien faire avec Quina pour l'instant. Tout simplement parce que en fait, ça permet de bouffer les monstres. Dès qu'ils sont à 50% de leur PV, Trama à 25%, donc c'est facile de bouffer les monstres avec ça. Bref, là on a appris Angélique, alors Angélique c'est un bon truc. Oh putain, je croyais que ça allait tuer moi. Voilà. Putain, moi je suis sûr que ça allait le tuer le glacé de pouce. Mais donc voilà, on a appris Angélique. Alors Angélique en fait c'est très utile dans certains combats surtout. Parce que en fait ça permet de lancer un remède sur tous les persos d'un coup sans avoir à lancer manuellement un par un. C'est utile, surtout quand on a des qui font des altérations d'état et tout va. Ce qui sera le cas ou d'un certain genre. Attends, là il y a un truc là. J'ai l'impression que c'est là que tout va s'arrêter. Pour le rang S parce que je déteste quoi. Regarde, voilà, tiens, qu'est-ce que je disais. Ah bah oui, on va prendre toi. Ah, tiens, je rentre en bas toutes les 5 minutes, ça m'énerve. Bon, on va y arriver. Je crois que si on se laisse aspirer, on peut atterrir dans un autre endroit. Là. Enfin, on a un combat aléatoire. Ok. Non, bon.
aléatoire à chaque fois en fait. Oh putain, qu'est-ce que je fais n'importe quoi en ce moment. Mais attends les gars, qui m'échappe là. Ah, bon, on va continuer mais il y a un... Oh, j'en ai marre. Bon, il y a des trésors que je sais pas du tout comment atteindre du coup. Faut que je me renseigne. Putain, mais t'es sérieux, juste parce que tu prends pas cette putain d'échelle. Non, bah là, du coup, j'ai plein de coffres, mais je sais pas comment les atteindre en fait. Donc, faut que je revienne en arrière pour. Oh, mais merde, non, oh non, oh non, oh non. J'ai déclenché la visite. Ouais, non, je crois que j'ai pas avoir le choix, il va falloir que je recharge ma partie et que je refouille. Parce que là, je peux pas revenir en arrière. Fait chier. Bon, bah, du coup, on va arrêter l'épisode là. Je vais me renseigner comment on fait pour avoir ces coffres, parce que j'ai aucune idée de comment on les a. Et voilà. Sur ça, y'a plus. Ok. Alors. Du coup, en fait, j'ai refait le tronc de Clara en arrière-plan, et enfin en arrière-plan hors screen. Et j'ai trouvé plein de coffres. Et en fait, je me suis souvenu plus tard, en fait, on va affronter un boss ici. Et après ce boss, on pourra sauter dans le tourbillon pour accéder au coffre qui nous manque. J'avais oublié ce détail. Mais du coup, je crois que j'ai tout eu. Je revérifierai off screen. Mais ouais, il me semble que j'ai tout lu, donc voilà. Donc, comme cet épisode est assez long, pour l'instant, bah, on va s'arrêter là. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!